Ça, tu te rends bien. Et si Phil sentait venir quelque chose, il n'en a jamais rien dit. I spoke to him 2 days before. 2 jours avant sa mort, je lui ai posé la question. J'ai tâté le terrain. Ça va avec Brian? Ça n'a jamais été aussi bien. Je suppose que c'était comme un fantasme de vivre cette vie incroyable à Los Angeles. Once, quand sa carrière a décollé, s'il ne pouvait pas la voir, personne ne devait la voir. Quand on se met à la colle avec un voyou, on ne s'en défait pas comme ça. Svengali est un des personnages les plus manipulateurs et sinistres d'Hollywood. Si on lui prend la main, il nous apporte gloire et fortune. Mais attention, il réclame toujours son dû, d'une façon ou d'une autre. Fille d'immigrés hollandais, Dorothy Stratton grandit près de Vancouver dans une famille très pauvre. Mais au sein de ce foyer se cache une véritable pépite. Dorothy est pleine de charme, rayonnante et d'une beauté impressionnante, mais elle l'ignore. C'était une fille simple, à la beauté naturelle, même si elle ne s'est jamais trouvée très belle. Les anti-escrocs du coin, Paul Snyder, 25 ans. Un jour, Paul est entré dans le fast-food du centre de Vancouver où elle travaillait. Au début, il était correct avec elle. Mais c'était une manière. Des manières de faire preuve. Je pense que Dorothy est tombée amoureuse de lui. Vraiment. Dès le départ, les proches de Dorothy l'ont mis en garde en disant que cet homme était un mille à problème. Il avait une réputation de voyou. Et si je dois le dire, de salaud. Le couple s'installe dans le centre de Vancouver. C'est alors que l'escroc voit l'occasion de s'enrichir. Le magazine Playboy lance un casting mondial pour trouver la fumette qui symbolisera les 25 ans du journal. Elle ne voulait pas vraiment poser pour Playboy. C'est au bout de 6 mois, à force d'entendre son petit ami lui dire « Fais-le pour moi, chérie », qu'elle a fini par accepter. J'ai retrouvé les clichés cachés sous le canapé. Je devais avoir 10 ans. Et je n'avais jamais vu cette idée. L'extravagance du manoir Playboy contraste avec son fast-food. Dans ces fêtes, il y avait toujours 3 ou 4 filles pour un type. Et en général, elles étaient peu vêtues. À Vancouver, son premier mentor est laissé sur la touche. Mais Dorothy ne laissera pas son premier amour se morfondre bien longtemps. Il faut bien se dire que Dorothy n'avait que 18 ans. Et au manoir, tout le monde lui tournait autour. Regarde, c'est coincé la jambe dans le barreau. Les attractions ou les attractions. Et bah, j'espère que c'est même embêtant, William. Et c'est terrible. Et que tu resteras là toute ta vie. Mais quand Snyder débarque en protecteur, le nouvel employeur de Dorothy ne lui déroule pas vraiment le tapis rouge.